c'est DarioYTP off pour une toute nouvelle vidéo de mise à jour d'un MAMA Battle Royale. Je suis en compagnie avec Mathieu YTP off. Bonjour à tous. Ok, avec ton ASMR, c'est bon, on a déjà compris. Non, non, je veux pas faire ça non. Ah bah j'espère, hein, parce que tu fais tout le temps de l'ASMR à chaque fois dans chaque vidéo de mise à jour, donc ouais. Quoi? Pas du tout. Bon alors. Surtout j'ai laissé les petits montages où tu faisais des trucs. Hein, ah ok d'accord. Dans la vidéo présentation. Enfin bref. Okay, très bien. Pour ceux qui veulent savoir genre pourquoi il y a une espèce de boule dans The Rift, pourquoi la map est un peu moitié universal. Hein. Oui voilà, on l'a déjà expliqué, on va pas le répéter. Bah, en fait c'est juste pendant un événement. Si je peux le raconter en quelques secondes, je peux le faire. Vas-y. Ok, bah en fait, pendant l'événement, bah il y a eu des rayons et en fait, Midas il a truqué les machines et du coup, bah ça a empêché la destruction de la feuille. Voilà. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, nous allons commencer la mise à jour. Bah voilà, bah, c'est parti, on commence la vidéo. Ok, let's go. Du coup, nous allons vous présenter un petit changement à Retail Recycling. Beaucoup de choses ont changé. Hein. Ouais, il y a juste... réparation ouais, voilà. Dans le magasin. La réparation entre la banque du palace et le magasin, en gros. Et du coup, la banque du palace, elle sera rétrécie, elle sera pas super grande. Ouais, et surtout, on a un petit changement à l'intérieur dans le coffre-fort. Dans le coffre-fort, ouais. En haut, il y a ça. C'est une bibliothèque secrète. Hop, j'ai enlevé ça. On va mettre ça ici parce et qu'en du fait, coup, quand le recycling, nous avons le panneau de The Stick, ouais. Ouais, de The Stick Mode qui a été ramené ici hein, pour la déchetterie. Du coup, et on a, ouais. Bah, en parlant des pois sky, on va parler du truc de Monsieur Tomate là. En fait, Monsieur Tomate il nous a raconté dans un truc là. Dans ses dialogues, putain, waouh, j'ai bégayé. Dans ses dialogues, il nous expliquait que genre, les poissons s'en prennent à lui, du coup, bah, certainement un changement du côté de Tomato City à la prochaine saison. Ouais, surtout qu'il y a déjà un changement, c'est sa tête, hein. Ouais, bah, en fait, non, c'est juste qu'il y a eu un bateau à cause de l'inondation. Ah bah oui, justement, c'est pour ça. Ouais, et maintenant, du coup, on peut retrouver des PNJ, voilà. Voilà, du coup, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, on... maintenant il y a des PNJ dans la map. En gros, bon, ils nous parlent juste, hein, c'est pas... mode, ouais, ils vont juste parler. Par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, je vais vous lancer vite la partie ou que je donc pire je monte vite fait. Ah, vas-y. Hein. On a genre un PNJ en magasin. Qui s'appelle qui n'était d'autre que Monsieur Toron. Tonor. Et quant à son message, c'est on doit recaliser mon magasin. Réorganiser mon magasin, ouais. On doit son magasin, si vous voulez savoir, donc voilà. Donc maintenant, on sait le propriétaire du magasin, c'est Monsieur Tonor. Putain. Mais ça explique toujours pas pourquoi il est chauve. Bah, je sais pas. Bah, c'est raison. Du coup, nous avons, genre, Monsieur Tonor, nous avons un PNJ que la flemme de nous dire. Monsieur Kratos, enfin c'est Kratos du coup. On a Monsieur Steps. Monsieur Steps à Temple Steps. On a qui d'autre? On a Rapace. On a Rapace et Monsieur Tomato, ouais. Voilà. Rapace il est à Cave Evolution. Peut-être le prochain boss du coup, on sait jamais. Hein. Tiens bah attends, j'ai oublié de faire un truc. Ça coule un peu plus dans le lac. Ah mais du coup ça m'intéresse vu que le message de Rapace. Si tu le signes doit être remis de survie. Ah bah oui, logique frère, comme ta vie frère, ça doit être... C'est vrai qu'elle est carrément détruite l'usine, hein. On n'en parle pas assez, mais... En plus, c'est un bon spawn. Moi je dis, meilleur spawn c'est quand même Retail Recycling. Mais tiens, en parlant de Retail Recycling, il y a eu des modifs au niveau de la tour, qui commence à monter. Ouais, si vous avez remarqué ça. Si vous avez remarqué ça, bah ok. Après, il y a eu des petites nouveautés au niveau des camions aussi, là, qui sont en train de ramasser tout. En train de reconstruire aussi la tour. Enfin, la tour, et ça. Le double L, on sait même pas qu'est-ce qu'il va devenir. Bah, le double L, il va être détruit normalement parce qu'ils ont ramené les pelleteuses. Ouais. Et sinon, les lamas, disons, ils ont bien bougé. Là, nous avons le. Je crois que c'est le père. Là, c'est le. Et là, c'est le fils. Ouais, voilà.
puisqu'il est à la bibliothèque en train de regarder ses trucs. Ah bah oui, logique, tu dois étudier mon gars, hein, si tu veux devenir intelligent. Et surtout aussi, le truc du burger, il est en train de se faire soulever pour aller là-haut. Ouais, et sinon, quand t'as le pont gris et le turburger, bah là, il n'y a plus les trucs... Tout est propre. Voilà, c'est propre. Alors, c'est quand... Il commence à tout nettoyer, en fait. Là, il est en train de nettoyer tout. Parce que là, comme vous voyez un peu dans la map, là, il y a déjà des cellules qui commencent à être nettoyées, en gros. Oui. Du coup, voilà. Et aussi, ici, là, attends. Il y a des gens qui veulent qu'il y ait une forêt, ici. Ouais, parce qu'en fait, c'est ici, ça fait... Regarde, ça fait vide, en fait. C'est vrai. Donc je pense qu'à la prochaine saison ça pourrait... On verra ça. Ouais, parce qu'en vrai ce serait bien d'avoir plusieurs forêts. Ouais. En plus il y a beaucoup de lieux, beaucoup de nouveaux lieux et je trouve que la map s'est agrandie quand même. Il y a beaucoup de trucs. Et du coup pour l'instant pas d'autres changements dans la map. Juste à part les PNJ. Ouais, juste les PNJ qui sont assez bien par contre. Bon, juste pour vous dire, garde ça en tête, mais c'est pas qu'il y a juste des PNJ que ça va faire la map moche, genre que ça va faire genre mon Battle Royale nul. C'est parce que au fur et à mesure, c'est sûr que les PNJ vont évoluer. C'est sûr qu'il y aura des PNJ assez spéciales ou des PNJ assez mystiques à retrouver, genre. Ouais. Qui peut donner des quêtes entre autres, genre. Genre, c'est sûr que au début, ce sera juste des PNJ qui te fait juste parler. Qui va juste te parler, genre juste te poser une seule question, mais là tu peux pas la répondre. Mais après, ça va être. Bah, en fait, là ils nous parlent juste, ils nous disent juste. Par exemple, comme Kratos, c'est la description du skin, enfin, même tout court, la description de Kratos, c'est ce qu'il dit, c'est genre. Je suis ce que les dieux ont fait de moi. Et sur la description du skin, c'est pareil, et pareil pour lui, quoi. En fait, c'est un peu sa description, genre. Bref, du coup, on va vous laisser ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et ben, mettez un petit pouce bleu et vous abonner. Et activez la cloche si vous voulez louper aucune de mes vidéos ou live. Que je fais tout le temps des lives sur DRP. Mettez mon code créateur chez les mafias dans la boutique d'objets. C'est rien, ça prend qu'une seconde, c'est gratos. Ne le mettez pas, il gagne pas d'argent. Ta gueule. Ta gueule gratos. Et du coup, Mathieu, dernier truc avant la vidéo? Bah, n'hésitez pas à vous abonner à toucher YouTube, voilà, ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà, sa petite pub aussi. Une petite pub comme ça. De toute façon, ma chaîne, c'est en description, hein, pas vrai? Ouais. Non, c'est pas vrai. Bref, du coup, on va vous laisser là-dessus. C'était DarioYTBOff et peace. Bon, Michel, casse-toi, merci.